Yo les potentiaux, nouvelle petite vidéo. Je vais réagir au poste de combat, etc. Je viens tout juste de finir ma journée. Donc j'ai un peu le seum. D'habitude, c'est le week-end. Tu peux être tranquille chez toi, faire une nuit blanche pour la nouvelle saison et tout. Bon, là, je viens juste d'arriver. Faut savoir que je connais déjà tout parce que je regardais sur mon tel. Du coup, je viens de rentrer sur mon PC. Du coup, c'est parti. Hop, connexion. Dans les saisons d'avant, il n'y avait pas marqué les connexions là, les barres noires. L'image, elle est assez étirée en plus. Ok, qu'est-ce qui se passe? Le trailer. Je l'ai déjà vu, mais je revois. Si je ne l'arrête pas, il risque de tout annihiler. Vous devez sortir de là, c'est un ordre. Je vais faire ce qu'on aurait dû faire depuis le tout départ. Je vais parler aux sept. Vous avez prêté serment. Vous trahissez ce que vous connaissez. Ah, non! J'aurais besoin de ça. Je parle pas, je vous laisse regarder. Oh, il lui reste un PV. Hop, ils s'en foutent d'eux. Je crois que c'était l'ordre imaginaire. Ok, donc les chasseurs qui sont en train de l'aider. Il y a des chasseurs méchants, ok. Le retour du Space 12. Le marteau, je sais pas c'était quoi. Oh. Ah, il est mort. Tentetina. Ok, il la lance. Ok. Il a lancé la faille dans le point zéro. Et ça a fait apparaître une météorite. Comme à la saison 3 ou 4. Où il y avait le premier visiteur. Et attention les gars, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tintintin. Et voilà, le quatrième visiteur. Bon, je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais... Oh, attendez, écoutez. Vous trouvez Geno? Et les sœurs? Je peux vous les trouver. Mais j'ai besoin de vous pour régler ça. Geno et les sœurs. Marché conclu. Je sais pas qui est Geno, je sais pas c'est qui les sœurs. Voilà qui est rassurant. Il est temps de se mettre au boulot. J'ai peut-être une idée. Vu qu'il y a 7 visiteurs, on en connaît 4, il en reste 3. Donc Geno, c'est peut-être le dernier, le cinquième visiteur, et les sœurs, les deux dernières. Donc ça fait 7. C'est mon Ça, hypothèse. c'est notre billet retour. J'espère ne pas le regretter. Dis au boucleur de se préparer, il nous reste peu de temps. Le boucleur? Ok, donc c'est moi le boucleur. Bon, j'ai mis un signe bambi, les gars, vous me Non, pardonnerez. oublie. Accroche-toi, on va sauver la réalité. Fait au point zéro. Mais c'est pas moi, il y a eu un incident. Tout est tellement enchevêtré, je sais pas si c'est réparable. On ne pardonnera pas. Qui a parlé d'abandonner? Préparez-vous. Quand le point zéro va éclore, plus moyen de faire machine arrière. Oh non, des portails sont apparus! Ce sont pas des portails. La réalité s'effondre. Donc, on les ferme, c'est ça? À ton avis. D'accord, on s'en occupe. Ouais, c'est bon. Les instabilités risquent encore de s'aggraver.
Attention aux vagues de réalité. Compris. On fera attention. Les vagues de réalité peuvent tout transformer en un... Oh. Je suis un papillon. Celle-là était violente. Est-ce que tout va bien, Honda? Je suis un papillon, donc... non. Bon, bah c'est à toi. Tu vas devoir être mes yeux et mes oreilles. Et mes bras. Et mes jambes. Il va falloir que tu fermes ces portails. Je peux compter sur toi? Une arme mythique. Oui. Allez, go. Un portail! Wow. Ce n'est pas bon du tout! Mais c'est magnifique! C'est stylé. Au travail! Il va me falloir plus de temps. Continuez! Compris! Je vois trois autres portails, mais le prochain est vraiment loin! Si seulement on pouvait. Oh! Tu peux te téléporter! À terre! Il me dit rien, Faï. Il faut qu'on trouve comment contourner les chasseurs! Oh, je vais devenir un petit poussin. Laisse tomber, j'ai rien dit. Tu es super! Oh, j'ai raté. J'ai passé ma vie entière à étudier le monde. Il était éclairé. C'est la première fois que je le vois de mes yeux. Il faut qu'on aille plus vite. Je vais pas tenir éternellement. Tenez bon, je nous transporte au troisième portail. Oh purée. Oh, il y a des loups maintenant. Wow! Des réalités alternatives commencent à surgir. Il faut qu'on se dépêche. Je suis mort, MD. Oh, une vague de réalité. Non. Oh, Lara Croft. La réalité doit avoir une dent contre moi. Pas mal, le loup. Ça va bien. Comment ça va là-haut? C'est trop. Une nouvelle ville. Continuez. Il n'y en a plus qu'un. Tenez bon. Oh. On a de la compagnie. Une petite vague de réalité serait la bienvenue. Tu veux me buter lui ou quoi? Allez. Vous avez le seum. Je suis mort. Wow, c'est intense. Ok, la prochaine étape est primordiale. Tout va bien là-haut? Ça n'a pas suffi. Je peux pas l'arrêter. Je peux contenir la déflagration. Il essaie de s'enfermer dans... Rien ne vous oblige à faire ça. Pas question de partir avant que ce soit fait. Il a besoin de nous. Vite! Non, mon frérot. Donnez-y. Non. Chance. On n'aura pas de deuxième chance. Tu dois verrouiller le point zéro et surcharger l'appareil à faille. Surcharger l'appareil? Je serai piégé dans la boucle. On devra tous les deux se battre pour en sortir. Quoi qu'il arrive, surtout n'abandonne pas. Je te retrouverai. Et là, tu me diras tout ce que tu sais. Vous avez ma parole. Et... What the fuck? Non.
Non. Oh purée. Bon ben voilà, c'est carré. Maintenant, le trailer du pass de combat. Même si nous sommes isolés, nous sommes tous liés par une force primitive. Elle nous pousse à nous adapter. Les nouvelles armes ont l'air vraiment nulles. À courir sans relâche vers l'aventure. À ne jamais abandonner. À affronter nos plus grandes peurs. Quelles qu'en soient les conséquences. À nous dresser contre nos propres ténèbres. Cette force primitive a besoin d'équilibre. L'île est devenue sauvage. Faites-en de même. Ok, c'est carré. Passe de combat, bientôt disponible Neymar Junior. Vous avez déjà déverrouillé le passe de combat de cette saison. Okay. Ok, donc j'ai débloqué Agent Jones parce que j'ai déjà le passe de combat. Ça c'était dans un tournoi les gars. Voilà. Et ça, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Et une petite figurine dans le pack du club. Ils l'ont rajouté dans le club. Je me demande si ça va vraiment sortir en dans la vraie vie. Ok. On commence par la carrière. Hop. Ok. Hop, V-Buck, y'a rien. Boutique. Normalement, c'est la même. Il y a toujours ça là. Ok. Donc maintenant, il y aura ça pour avoir. Voilà. Tous les chasseurs qui vont partir aujourd'hui normalement, et il n'y a pas de nouveauté. Et le pack, vous avez vu qu'ils ont rajouté ça, mais des bugs, moi ça va être ah bah c'est demain. Ok, compétition, phase de combat, on va regarder après. Alors, les petites quêtes dans 14 jours, et là on a des petites quêtes. Ok, le système de quête c'est le même. La carte, on a 1, 2, 3, 4, 4 nouvelles villes. Avec plein de petites nouveautés par-ci par-là, on découvrira. Collection, on a 46 personnages, 44 poissons. Les modes de jeu, on a quoi? Solo, duo, trio, section, solo arène, duo arène, trio arène. Les modes un petit peu classiques en bas. Ok. Donc il y aura des modes temporaires bien plus tard. Dans les actualités, libérer la bête, le point zéro a pu être contenu, mais une mystérieuse onde a renvoyé l'île à l'ère primitive. Chassez la faune, fabriquez vos armes et libérez la bête. Donc en gros, on est retourné dans le passé. Ok. C'est carré. Casier, j'ai gagné des petits trucs ou pas? Moi, j'ai gagné Jones. Ok. Avec plein de custom, mais je les ai pas encore débloqués. Et bah, je vais le mettre. Sac à dos. Vas-y, je le mets. Les danses. Enfin, c'est les émoticônes. Ok. Casier. Ouais, c'est l'écran de chargement, on s'en fiche. Paramètres. Est-ce qu'il y a des petits trucs qui ont changé? J'ai l'impression que ça a changé un peu les paramètres. J'en sais rien. Ok. Ok, ok. Attends, est-ce qu'ils ont rajouté des remboursements? Ça serait drôle. Ok. On peut enfin regarder le poste de combat. Alors, on va commencer direct par la fin. Là, on a des objets mystères. Ok, donc c'est les récompenses de Neymar. Ok, donc on a 5 récompenses de Neymar. Donc je sais pas du tout ce que ça va être. Sûrement des skins, des pioches et tout. Ça, c'est les récompenses. Encore Neymar. Wesh, 3, 6. Il y a 11 récompenses Neymar. Ensuite, ça, c'est les récompenses de quête. Ok, donc avec les quêtes, on pourra récupérer Rachel. Donc c'est Raven en gros. Piu Piu en mode explosif. Ok. Tarana en mode indigo, Lara Croft classique, donc en mode PS1, j'en sais rien. Une petite danse épouf. Ok, stylé. Excaliburger, Miss Poisson, et une icône de bannière. Ok,
Et ensuite, on a tous les paliers qu'on va regarder assez vite. Du coup, on a John Jones. Sa bannière de John Jones. Un tag, V-Buck. Son petit machin. Un petit émoticône, John Easy. Coup de balai. On peut se déplacer avec. Ok, c'est stylé, c'est gratuit en plus. Après zéro. Compte à rebours. Bon, je vais pas dire les noms, on s'en fout. Je vous montre juste vite fait, comme ça vous voyez. Le tag. Un sac à dos, faudra faire des quêtes pour l'avoir. Il serait évolutif. Lara Croft en mode. Voilà, en mode. Voilà. Sauvage. Sa pioche qui est vraiment moche. C'est vraiment dégueulasse. Flamme de machin. Sa danse qui est mobile en plus. Donc c'est pour faire des galipettes. En vrai, c'est stylé. Son parachute. Sa bannière. Sa tenue en mode 25e anniversaire. Pas mal, franchement. Ensuite, on passe à l'ensemble de la meuf Tarana. Ok. Ok. La pioche. Ah, vraiment moche. Le sac à dos, pareil, avec des défis. Le skin. Ouais, c'est un signe LGBT ou quoi? Cheveux bleus et tout. Planeur. Ouais, chelou. Bannière. Une petite danse de cartes. Ok. Écran de chargement. Le sac à dos qui est immonde. Traîner immonde. Cette tenue. Ouais, pas mal. La pioche. Franchement, pas mal la pioche. Revêtement nul. Hop, tout ça, on s'en fiche. Ok, bannière, blablabla. Planeur. Vraiment moche. Le sac à dos qui aurait pu être stylé, mais au final, pas ouf. Oh, elle est belle, franchement, la traînée. Le sac à dos, pareil, on connaît. Le petit génie, très stylé. Un petit emoji. Une danse. Oh non, c'est une danse intégrée. On pourra pas la faire avec les autres skins. Traîner. Wesh. Wow, elle est grosse celle-là comme traîner. Ensuite, on a quoi? Ok, ok, ok. Un flottant. Ok, sac à dos. Piu piu. Beatbox. Stylé, stylé. La pioche, très drôle celle-là, j'adore. Elle est grave drôle. En revêtement, il change de couleur, je pense. Eh bien, il est clos. Stickers animés. Le sac à dos en mode bleuvage. Le pupu en mode bleuvage. Ensuite, on passe à Raven. Donc ça, c'est à quoi il ressemble en vrai, dans les comics, etc. Rapace spirituel. En mode galaxie, vraiment incroyable. Je le jouerai pas, mais incroyable quand même. Le petit. C'est quoi ça? Émoticône, on la voit pas? Allez, jette l'émoticône. Voilà. Azarath Metrios. Revêtement. Il aurait pu être stylé, mais. Bah, pas ouf, pas ouf. Le sac à dos, pareil, qui évolue. Le skin, du coup. Avec la cape qui est incroyable. Franchement, il est vraiment dark ce skin. J'adore. La pioche qui est gratuite, les gars. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Donc, vous pourrez avoir cette pioche gratuitement sans avoir le pass de combat. Donc, c'est carré. Machin, blablabla. On s'en fout. Le sac à dos. De dos, il est ultra gros. Mais sur les côtés, il est fin. Donc, c'est bien sans plus. Ensuite, Azarath Metrion Zintos. Donc, elle fait un petit lama. Et elle fait défense. Ensuite, on a du coup en mode classique, très stylé aussi, mais je préfère l'autre. Pulsation de la flèche, écran de chargement, très beau cet écran de chargement. Le planeur qui est incroyable, l'émoticône. Ah, je vous ai pas montré la bannière, je crois. Petit tag, le sac à dos qui est gratuit aussi, il est incroyable. Un peu gros peut-être, mais ouah, trop stylé. Un traîné. Tag, la pioche, franchement pas mal la pioche. Petite bannière, émoticône, animé en plus.
Et le skin, les gars, palier 100. Oh, il est incroyable. Je pense le meilleur de ce pass de combat. Il est vrai. Oh là 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 là. J'espère qu'il aura des customs incroyables. Petite danse pour enlever son masque. Bon, pas ouf. Je laisserai le masque, t'inquiète. Du coup, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour ce code créateur NSQ. Ah bah, faut pas oublier, surtout pas, les gars. Dans la boutique Fortnite. Ciao!